c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Minecraft. Aujourd'hui, petite vidéo, je voulais attendre qu'il y ait un peu plus d'actualité sur la nouvelle mise à jour et tout ça. Et la nouvelle mise à jour est sortie le 8. Et vu qu'en ce moment, je reviens beaucoup sur Minecraft, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo des petites choses qui ont été rajoutées. Alors, comme vous le voyez, je suis en créatif, hein, je ne suis pas en survie, ça sert à rien pour la vidéo. Alors, pour la 1.17 qui est sortie le 8 juin, normalement, si je me trompe pas, donc normalement, ça sera marqué en même temps que je parle. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à faire le nécessaire pour cette chaîne, ça fera toujours plaisir. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur ce qu'on peut retrouver maintenant sur cette nouvelle mise à jour. Alors, tout bonnement, pour commencer, donc on va aller faire un petit tour sur ce panel qui est plutôt bien garni. Alors, comme vous le voyez, alors je vais me mettre avec ceci, je vais me mettre avec tous les blocs qui... voilà. Alors, pour moi... il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, je trouve, quand même, depuis maintenant que le Nether a été bien développé, tout ça. Et je pense que maintenant, on va avoir le droit à un peu plus de choses au niveau extérieur, niveau caverne et tout ça. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que quand on regarde le Minecraft de l'époque, c'était surtout du fer, de l'or... la redstone pour voilà, tout ce qui voulait être électrique et tout ça. Le diamant pour les armures. Et voilà. Après, la lazuli, c'est pas vraiment un bloc en particulier. C'est surtout pour améliorer vos armures. Alors, bien sûr, à l'époque, le lapis lazuli n'était pas source. Pour améliorer vos armures, c'était automatique. Il fallait juste des points, moi j'appelle ça des points de compétence, mais il fallait avoir un certain nombre de mana pour améliorer. Et maintenant, il faut du lapis lazuli en supplément pour améliorer une arme ou autre chose. Ça, c'est cool parce que clairement, voilà. Donc apparemment, donc on a quelques nouveaux blocs. Donc, que je vois là, donc je vais les prendre dans ma main. Alors là, par contre, il y a des blocs qui me disent rien. Après, c'est vrai que ça fait un moment que j'étais pas venu. Donc, apparemment, il y a plusieurs tailles. Donc, on va déjà voir ces blocs-là. Donc, apparemment... Alors, voyons voir. Donc, d'accord, des petits buissons. Des petits buissons qui ont l'air sympa. Alors, c'est des aloes azolées fleurées. C'est ça, azalées fleurées, ok. Plutôt cool, plutôt sympa. Ça, ouais, ça fait un petit buisson. C'est vrai que si vous voulez faire un petit mur de fleurs, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Vous en avez non fleuri, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa même. C'est plutôt sympa. Plutôt bien fait même. Si vous voulez par exemple vous faire un... Ouais, en plus ça fait un bon mur. Ça fait un bon mur. Alors après, je sais pas, je pense pas qu'on puisse en poser. Non, on peut pas en poser dessus. Est-ce qu'on peut poser des trucs dessus? Non plus. Alors attendez, on va quand même prendre une torche. On va prendre une torche pour voir ça. Alors en même temps, je vais prendre le nouveau bloc. Alors il y en a deux espèces. Ah puis oui, c'est vrai que Ravageur, le fantôme. Alors attendez, parce que le truc c'est qu'il y a tellement de... Maintenant il y a tellement d'œufs qui sont à proprement parler. C'est vrai que c'est pas très... Ah ça aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Je sais pas où il est. Je crois bien que je l'ai zappé. Faudra que j'aille chercher dans les armes. Ah, là, voilà. Je crois bien que ça y était pas. Je l'ai jamais vu. J'étais venu chercher une torche. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond. Peut-être un... Ah, ça sera peut-être mieux une lanterne. Ah, je suis à fond. Bon, bah, pas grave. Oula. Par contre, attendez.
c'est pas ça. Voilà. Donc, des petits cristaux qui ont l'air plutôt pas mal. Ça peut faire une belle petite déco. Ça peut faire une belle petite déco. Si vous voulez faire un petit truc de cristaux, ça peut être sympa. Ça peut être très, même très sympa même. Est-ce qu'on peut marcher dessus? Ouais, je... Alors, je sais pas si vous entendez, mais je crois bien que ça fait de la musique quand on saute dessus. Ah oui, ça fait de la... Je pense que ça doit faire un truc, un petit truc, si ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut être très très sympa même. Clairement, petite déco peut être très très utile. Là, nous allons passer au nouveau minerai, donc le minerai de cuivre qui est sorti. Alors ça, c'est le minerai abîmé, abîme. Je pense que ça se trouve dans les profondeurs des océans, un truc bien sympa. Et un bloc normal qu'on doit trouver, j'imagine, dans les cavernes. Voilà, qui peut être très sympa, où on pourra faire des antennes apparemment. Pour le moment, j'ai pas vu l'antenne, donc je pense pas qu'elle soit... Alors attendez, je vais juste vider ça. Ouais, bah voilà, j'ai tout vidé. j'ai tout vidé, bah voilà, c'est fait. Bah alors, je suis paumé moi dans tout ça. Ah, là, par contre, le minute cuivre et le lingot cuivre qui peuvent être pas mal. Ça aussi. Et ouais, c'est bon. Donc, ouais, plutôt sympa. Bon, ça c'est mon pack de textures, c'est pour ça que les cochons ont l'air un peu plus... un peu plus design au niveau je les aime bien mes cochons. Donc voilà. Alors après, une petite longue vue qui est plutôt pas mal. C'est vrai que si vous êtes loin et que vous voulez repérer quelque chose, ça peut être très utile. Ça peut être sympa. Après je sais pas si je pense qu'on peut la crafter, mais je sais pas si on peut la craft. Comment je pourrais savoir si... Alors attendez, parce que le truc c'est que je pense pas que je puisse. Ah si, avec les recettes. Attendez, voyons voir. Je ne peux pas. Ok, bon, apparemment, je suis bloqué. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Recette. Bah oui, je veux les recettes, mais. Bon. Apparemment. Ça, c'est les élytres. Là, on a des sacs maintenant. Ça, par contre, on l'avait pas, ça. Est-ce que ça peut se mettre dans le dos? Ah non, c'est un backpack. J'imagine que ça doit être un backpack. Voilà, je pense que ça doit pas être terminé. Je pense qu'il doit y avoir des trucs... voilà, qui doivent être en cours de développement. Donc, on a aussi le minuet de cuivre hein, qui est là, comme vous le voyez, de plusieurs façons. Alors maintenant, qui est plutôt pas mal quand vous cassez un bloc. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous n'avez pas le bloc même, mais vous avez le minerai de cuivre ou le minerai de fer ou quoi que ce soit. Même l'or qui est vraiment sympa et ça, c'est vraiment cool. Et on a le résultat final. Le truc final. Donc ça c'est plutôt cool. Après, alors pourquoi j'ai pris des seaux? Parce que c'est les nouvelles espèces. Alors j'espère qu'ils vont pas crever.
Alors ça, c'est... comment c'est? Doxolot. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est cool. Plusieurs couleurs. Et je pense qu'ils peuvent vivre sur terre comme dans l'eau. Après, je sais pas si ça attaque ou quoi. Mais c'est vrai que ça peut être très très sympa. Hop, ils vont aller en bas. C'est pas trop grave, mais voilà. Après, nous avons le saut. Hein? Attends. Ah merde! On peut se mettre. Je pense que en survie, je pense qu'on vous avait froid. Ça peut être sympa, faire un igloo par exemple. Je sais pas si. Ah ouais, ça peut être sympa de faire un igloo. Vous faites un igloo, ça peut être sympa. En plus, ça tient bien. Ah, ça peut être sympa parce que. Alors, je sais pas si la neige va fondre si je mets une torche. Alors attendez, on va aller chercher la torche, si j'arrive à la trouver. Parce que tout à l'heure j'ai. Voilà. La torche. Les mêmes, il y a toujours les mêmes armures, j'ai l'impression. Oui. Je pense pas. Le backpack équipement. Pourtant, c'est équipement. Donc, j'imagine qu'on pourra. Ah, attendez. Peut-être là? Ah non. Non, non, non. Alors, voyons voir. Alors, comme je vous l'avais dit, voilà. Les minerais maintenant, ce sont les... c'est du fer brut et de l'or brut. Et c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt cool de voir un seul truc à la place d'avoir un gros carré. Ça, c'est vrai que ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a de la peau de lapin? Bon, ça, on connaît. Je pense qu'ils ont peut-être dû rajouter quelques enchantements, non? Agité d'âme, tir multiple. Non, j'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté quoi que ce soit. Ah, bah alors. Un bigelow, quoi. C'est quoi ça? Chaîne. Bon, ça existe depuis. L'ancienne mise à jour. C'est quoi ça? Bâton de foudre. Alors c'est soit je suis bigleux, alors quand je postais la vidéo, on va me dire, mais elle était là, la torche! Comment ça, Tchoum? Ah. Ouais, je pense que quand vous êtes dedans, dans la neige, je pense que vous pouvez faire un igloo. Alors après, vu que je suis en créa, je me dis peut-être que je prends pas de dégâts, c'est sûr. Mais je pense que si vous rentrez dans la neige ou quoi que ce soit, ça peut faire un bon mur pour faire des dégâts, par exemple, aux monstres ou quoi que ce soit. Mais je pense pas que... Oh là là, mais c'est chiant ça, comment ça se fait que j'arrive pas à trouver la torche? Normalement, la torche, elle est là. L'enclume. Ça, c'est les enclumes. Bon, bah ça, on connaît bien. C'est quoi cette connerie? Pourquoi? Alors là, je sais pas, je sais plus. Pourquoi j'ai plus le. Normalement, la torche est dans le coin. Ah, peut-être. Attendez, on va tenter avec la lanterne. Ah, déjà, on peut rien poser dessus. On peut rien poser dessus. Voilà. Bah, déjà, on peut rien poser dessus. Donc, j'imagine que ouais, ça doit être un truc automatique. Alors, voyons voir si ça fait fondre. On va attendre un peu, bien sûr. Les bâtons de foudre.
Alors ça... Ah oui, le bâton de foudre, ok, paratonnerre, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc le bâton de foudre, c'est ça. Alors par contre... Ça peut être sympa, cible. Ça peut être sympa pour faire une petite déco, par exemple. Ouais, bah là, ça fait plus un truc un peu bizarre, mais ouais, ça peut être sympa. Et je voudrais vous trouver le poulpe. Le poulpe. Le truc, c'est qu'il est tout nouveau, tout beau, et je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom de la bestiole. Va falloir que je cherche dans les œufs. Poulet, abeille, vache, cochon, mouton, lune, chauve-souris, rien, chat. Je connais pas celui-là. Lama, cheval, âne, ça, renard, panda, tortue de mer, dauphin, saumon, poisson globe. Poisson globe qui sert strictement à rien, à part empoisonner. Creeper. Enderman, squelette, wither squelette, slime. Vagabond, pieuvre. Ah, pieuvre luisant. Ah, bah c'est la mushroom ça. Ah ouais, je sais plus lire moi. Ok, bah, un poisson. Putain, la vache. Il a pas perdu un seul dégât. Hein. Ok. Par contre... Attendez. Ah, c'est une... Ils sont plus petits, ceux-là. Vous avez vu, ils sont classe. Les gros, ok, et ça file quoi? Poche d'encre luisant. Ok. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour faire, je sais pas, peut-être. Est-ce qu'on peut faire de la laine luisante? Alors attendez, on va prendre un bloc de laine. Du blanc si possible. Je pense que je le vois pas là. Béton, béton, poudre de béton, la bannière. Attendez, je suis biglé ou quoi? J'ai vu la poudre de béton, mais j'ai pas vu le... Ah, peut-être... Alors, toc toc toc. Je pense que je vous ferai peut-être une petite série survie. Moi, de mon côté, quand même. Parce que ça a l'air sympa. Par contre, voyons voir... Non, on peut rien faire. On peut rien faire non plus. Je pense qu'il faut une table de craft ou faut faire autre chose avec. Parce que là, pour le moment, on voit strictement rien qui peut altérer avec. Faites voir avec une table de craft. Bon, bah j'ai perdu le. Ah bah. Je pense pas que ça puisse faire quelque chose. Je pense que ça fera de la couleur, mais pour le moment, je pense que c'est juste un bloc de déco pour le moment. Mais c'est vrai que ça peut être utile pour plus tard. Ça peut être utile pour plus tard. Mais voilà.
Ouais, bah c'est plutôt cool en fait qu'ils aient rajouté pas mal de petites choses. Plutôt pas mal. Donc voilà les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Puis dites-moi si vous voulez que je refasse une petite survie. Une petite survie vraiment basique, hein. Clairement, je vous couperai les moments où je fais ma maison, où je fais mes machins, les trucs comme ça, bidule, machin. On ira une fois en grotte, on ira une fois, je vous ferai le début de ma maison ensemble. Ou sinon, on fera surtout de l'explo, des machins, et puis voilà. Passez une bonne soirée, merci. Moi, j'ai tourné cette vidéo hier samedi, je vous poserai ça lundi.